Tous les mardis, 21h-23h, ça va pas être possible. On voit que sur ton pull, tu as crevard. Qu'est-ce que ça signifie? On représente tous ceux qui veulent pas donner de l'argent. Ah d'accord, donc toi, alors toi t'es un peu comme Ginger, t'es une pince toi. Exactement. La pince, la 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 pince. La 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 la, c'est une grosse pince. Une pince. Alors je sais pas si vous êtes au courant, quand tu donnes du Nutella à un chat, il a, c'est une vérité, il a le chat qui, il a le chat a le cœur qui explose. Non. Sérieusement, les mecs, on ingère un truc qui fait exploser les chats. Non mais moi c'est le goût d'une, et moi je franchement la prochaine fois que j'aurai une fringale, j'irai me prendre une pomme. Mais quand même franchement, si je devais quand même décrire un moment Nutella, c'est entouré autour de cette table par mes potes, par Amine. Oh. Et ça, c'est un instant Nutella. Oh. Et il a dit que Amine, tu vois. Oh. Bravo. Oh, mais c'est gentil. Oh, écoute, je suis, vous êtes mes amis de cœur. Oh. J'ouvre mon cœur et c'est des compliments qui sortent. Mais d'ailleurs, toi, le Nutella, t'es plutôt Nutella avec biscotte, avec comment on appelle ça, les trucs là, la tartine, tartines, voilà, les cracottes, que... cracottes. Non, les crêpes, non, les crêpes, pain de mie. Oh là là. Les crêpes, le pain de mie, le pain au lait. Le pain au lait. Ouais, tu prends le couteau, tu découpes un peu comme ça. Ah ouais, tu découpes. Tu l'ouvres et dès que c'est bien ouvert, là tu mais sur les deux côtés. Hein. Voilà. Il y en a pas assez. Il le rêve. Ah ouais, mais je connais l'expert. Tu le découpes un peu façon kebab, tu sais, tu mets la main dessus, tu l'écrases et tu mets le couteau. Moi je sais pas si vous, enfin moi quand j'étais plus jeune, ma mère elle achetait jamais le Nutella parce que c'était trop cher quoi. Elle allait au Lidl et elle achetait la pâte à tartiner. Qui connaît ça? Il y avait écrit pâte à tartiner. Voilà, exactement. Mais ça avait pas le même goût, tu vois, mais non. Ça n'avait pas le même goût. C'était dur. Ouais, c'était super. Si ah ouais. Ça va pas être possible. Oh, ça va pas être possible. C'est quoi ta question? Est-ce que Amine il conserve la scène? Ah ouais. Attention. Meilleure Dylan, c'est la meilleure question de la soirée. Bravo. Hein. Dylan, tu repars avec une télé. Ah, tu repars avec une télé. Une cathodique de 30 cm. Exactement. T'as le lien sur le bon coin? Exactement, j'ai le lien sur le bon coin. Je réponds. Très bonne question. Oui, tu peux répondre. Très bonne question. Merci Dylan pour cette question. Donc en gros, en fait ça je veux pas en parler parce que j'ai peur que ça. Parce que c'est l'un de mes plus gros et ma plus grosse espérance. C'est j'écris aussi en même temps que mon court métrage un spectacle. J'essaye de faire un spectacle de 15 à 20 minutes parce que c'est énormément de boulot et c'est un gros défi. J'ai déjà fait de la scène en fait dans ma ville, ça a bien marché. Il y avait 300 personnes, mais voilà, c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Mais le plus gros défi, en fait, c'est de faire des scènes avec 10-15 personnes et d'essayer de combler tout le monde. Et donc, en gros, ouais, j'ai pour projet de faire de la scène, mais je le garde dans ma poche en sécurité pour l'instant. Et dès que vraiment, j'aurai développé bien YouTube, là, à ce moment-là, je pourrais prendre le risque de faire des démarches de personnes qui pourraient m'aider dans ce domaine-là. Ouais. Mesdames et messieurs, je vous annonce que c'est le dernier auditeur de la soirée. Mesdames et messieurs, ils étaient 17 000 au départ. Il est tout seul. Qui repartira avec les lauriers de la victoire? Qui sera en haut de l'affiche? La réponse maintenant. Axel Lalo. Axel, tu m'entends? Ouais, tranquille. Axel, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Et Axel, tu nous appelles d'où? De Panamonga. De Panam, mon gars. Panam, mon gars. Est-ce que tu supportes le Paris Saint-Germain? Ouais. Eh ben écoute, je t'apprends qu'ils ont gagné à l'instant contre le LOSC 0-1. Ouais. Ah bon? Ouais, voilà, c'est cadeau. But de Maxwell. Alors? Ah ouais? Eh oui, de Maxwell. Tu t'en fous. Nickel, allez, ta question. Ta question, ma poule. Ne parlez pas de ma petite voix, s'il vous plaît. Non, je te disais pas ça, je te disais apparemment ça te faisait pas super plaisir d'apprendre que ta ville avait gagné, voilà. Mais vas-y, pose ta question à Amine, ça nous fait plaisir de t'avoir. Non mais vous pouvez vanner et tout. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Eleanor Cole. Moi je suis arrivé derrière, elle était... Allez, il était en train d'appuyer sur tous les boutons. Il est ouf.